Bon, bah, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais faire une session de 48 heures, quoi, donc ça va être une petite vidéo de 5-10 minutes. Donc un petit 48 heures en Loire cette fois. Donc je vous avais dit depuis un petit moment déjà que j'allais faire une vidéo en Loire. Donc du coup c'est bon avec propriétaire du domaine du tilleul. On se fait une petite session en Loire de 48 heures. Donc vu qu'il a le magasin de pêche tout ça, en fait il relève les cannes la journée et puis il revient le soir, quoi. En fait il fait que la nuit. Donc voilà, on pêche sur la platière de feu. La platière de feu, quoi, enfin le barrage de feu, ouais, barrage de feu, platière de feu, quoi, ça a différents noms, quoi. Donc c'est à quoi? C'est même pas une bande de chez moi, quoi. Donc c'est vachement pratique, en fait. Donc du coup, pour moi, c'est une pêche nouvelle, un peu, parce que bah, j'ai pas énormément pêché la Loire, quoi. L'année dernière, j'ai fait un enduro en Loire, quoi, mais voilà, bah, qui a plutôt bien marché. Mais voilà, sans faire de jolis poissons, ni rien. Donc voilà, là on va essayer de faire la différence avec Yann, on est sur un bon poste, il y a quelques jours il a vu de l'activité, on sait qu'il y a un ou deux poissons qui se sont fait prendre. Donc voilà, nous aussi on va essayer de tirer un peu notre épingle du jeu, quoi. Moi personnellement je pense que je vais plus pêcher les obstacles. À 50 mètres à peu près il y a un haut fond, ça fait 2,20 m puis ça remonte jusqu'à 1 mètre. Donc voilà, quoi. Yann va plutôt pêcher la pléno, quoi. Donc vu que moi je suis là journée et puis nuit, quoi. Donc du coup il m'a laissé pêcher les obstacles. Donc ça va être une pêche forte, donc frein serré, tresse, hameçon extrêmement solide, bas de ligne en tresse gainée, minimum de, je crois que j'ai dû mettre du 30 livres, donc voilà, quoi, mettre des gros appâts, enfin là moi personnellement j'ai mis des gros appâts, donc on va voir, peut-être que c'est pas ce qu'il leur faut, peut-être qu'il faut pêcher à la graine, j'ai une canne à la graine aussi sur les 4, donc voilà, donc on va essayer, voilà, de faire quelques poissons, quoi, puis selon les résultats en fait on restera plus ou moins longtemps, quoi, donc 48 heures sûres, quoi, parce que bah, on est en Loire quand même, quoi, donc le temps facilement le poisson est plus haut, le temps qu'il redescende ou il est plus bas, le temps qu'il remonte. Donc voilà, c'est vraiment des poissons de passage, il n'y a pas de poste de tenue, quoi, très peu. Donc voilà, quoi, on a mis en repère, tout ça, Yann va pêcher sur le dessus du haut fond et dans la descente et derrière, et moi je vais pêcher sur le dessus, et bon 50 mètres plus bas, sur le dessus et en bas de la descente, donc, au pied du haut fond. Donc voilà, après j'aurai une canne dans un arbre, vous m'avez compris, quoi, un arbre immergé, quoi, et puis une canne vraiment sur la bordure avec excusez-moi, et une canne sur en bordure avec quelques belles souches, quoi, dans à peu près 3 mètres 50, voilà, voilà, voilà. Donc bon, sur ce, j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant que le petit jeu concours, on a fait en sorte qu'il se passe bien, quoi, donc voilà, on y refera, je pense, tous les 100 abonnés à mon avis, donc la prochaine fois ce sera à 200 abonnés, et puis voilà, quoi, donc comme d'habitude, hein, si vous voulez nous suivre, si vous aimez nos vidéos, aimez, likez, enfin aimez la page Facebook Véritable Fishing, likez les vidéos, tout ça, commentez. Et puis abonnez-vous si vous voulez nous suivre dans nos aventures. Voilà. Bon bah allez, je manquerai pas de vous tenir au courant, les amis. Allez, bye. Poisson de l'année en Loire. Nickel. Super poisson, super combat. Rien à dire, pas de commentaire. No comment. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire pareil pour la deuxième.
les amis. Big fish, un plot, un ton comme dit Ryan. Un plot, ouais. Ouais. Putain. Sur nous, il faut le savoir, on prend que des plots. Ouais, voilà. Et bon, je pense que, ouais. C'est pas mal pour un pêcheur de privé, comme diraient certains. Ça commence à faire pas mal. De 50, on pourrait y mettre dans sa gueule. Oh. Et hop, elle a bien mérité de retourner à l'eau. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Parce que c'est une vidéo qui va se dérouler en fait sur plusieurs mois. Donc il va pas avoir une vidéo chaque mois tout ça. En fait c'est une vidéo où je vais faire des images pendant plusieurs mois en fait, si vous préférez. Donc c'est une vidéo sur la pêche en fleuve quoi. Donc, du côté de chez moi c'est la Loire. Donc il va y avoir plusieurs pêches différentes quoi. Mais les lignes vont rester les mêmes quoi en fait je veux dire quoi. Donc je vous présenterai les lignes quoi. Là par exemple je suis en train de pêcher, là la Loire est en crue quoi, donc c'est assez pénible de pêche quoi. Donc mes pêches par contre je vais les réaliser, je vais pas faire de grosses sessions quoi, je veux dire, peut-être une grosse session style 48h, 72h, mais sinon ça va être que des pêches courtes quoi, style 24h quoi, même pas 24h quoi, c'est j'arrive le soir après le enfin l'après-midi après le boulot quoi, donc midi, le temps que j'installe tout ça bien comme il faut, 2h ça pêche bien. Et le lendemain, ouais, midi je suis parti quoi, ouais, c'est 24h quoi, même pas quoi. Donc voilà. Ouais, je vous expliquerai les montages. Donc ça ressemble énormément. C'est même les montages de Villeray quoi, je dirais. C'est même les montages de Villeray. Donc après. Les poissons, c'est pas les mêmes. Hein, c'est pas les mêmes. Des combats de fous, des départs de fous. Je sais pas si j'arriverai à filmer les départs, ça m'étonnerait. Parce que après ça passe par banc quoi. C'est pas régulier quoi, je veux dire, j'ai jamais fait en Loire des départs réguliers quoi. C'est toujours, je sais pas, s'il y a un créneau quoi, où elles mordent bien. Et après elles vont plus mordre, mais le lendemain, à la même heure que la veille, boum, elles vont re-rentrer dans le créneau. On va re-rentrer dans le créneau et là boum, ça va partir quoi. Donc voilà. Bon ben, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Pour les montages. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà, alors les montages, donc encore de lignes, hein, c'est toujours, bon là on n'y voit pas quoi, mais sur celle-là on y voit mieux à travers, c'est de la tresse, hein. C'est de la tresse, là en l'occurrence c'est de la tresse de 26 centièmes, une 8 brins, donc ça fait du 24 kg de résistance je crois, une tête de ligne sur à peu près 10 mètres minimum, hein, parce qu'avec les rochers tout ça, les dressaines, les moules, tout ça. C'est du 60 centièmes, équivalent à 20 kg de résistance. Après, bon, bah, on revient, hein, c'est du lit de corps, hein, tout simple. Hein. Un bon gros lit de corps. Un clip plomb comme d'habitude, hein, c'est exactement les montages de Villeray. Hein. Bon, sauf que là, j'utilise du plus gros plomb, quoi, ça doit être 250, ou entre 220 et 250 grammes, je sais pas trop. Et hop, puis après, un bas de ligne, hein, 13 gainés, pareil pour les moules, dressaines et les choses comme ça quoi, pour éviter de casser quoi. Donc voilà, après un hameçon fort de fer, hein, obligé. Donc là certains pourraient appeler ça une ligne de barbare, hein. Mais je vous assure que c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire quand on voit les départs qu'elles nous font, les combats qu'elles nous font, c'est vraiment nécessaire, hein. Pourtant c'est des poissons qui font quoi, 6-7 kilos là. Elles font des départs monstrueux quoi. Après il y a les silures qui se mêlent à la partie, donc faut être monté costaud quoi.
Donc après, comme vous pouvez voir, hein, la Loire, ben, ça court, quoi. Il y a plein de taches d'herbier là qui se déplacent. En face, là-bas, là, on voit, je sais pas ce que c'est, là, une espèce de bout de bois vert, là. Parce que c'est une espèce de bout de bambou. Hein. Donc voilà quoi, donc du coup les fils se prennent dedans, ça fait des bons gros poids au bout des lignes quoi, et puis bah ça pêche plus quoi, donc je devais faire 48 heures, je vais faire que 24, même pas 24, parce que hier je suis arrivé à 4 heures à peu près, j'ai installé à 4 heures, 4-5 heures de l'après-midi, donc là il est 9h30, je vais partir quoi, parce que ça devient impêchable, j'ai refait un départ ce matin, je l'ai loupé quoi, le seul départ que je fais, enfin je fais 4, 5 départs, 4 poissons. Seul départ que je loupe, c'est à cause des herbiers. Ça m'a fait un gros nuage d'herbiers au bout de la ligne et du coup bah, je loupe le poisson à cause de ça quoi, donc bien blasé. Et puis voilà quoi, donc là mes lignes sont toutes droites bah, parce que ouais je pêche en cassant. Donc ah oui voilà, le système du cassant. Beaucoup me demandent parce qu'il y en a ils font ça avec du fil de pêche. Je vous le dis tout de suite, c'est du n'importe quoi. Faire un cassant avec du fil de pêche, c'est de la connerie, c'est de la grosse connerie. Donc moi on m'a appris ça. En enduro. Donc en fait c'est tout simple. Hein. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Hop là. Donc vous avez un mousqueton d'un côté. Une petite corde, une petite ficelle, un mousqueton de l'autre. Vous avez votre branche, vous arrivez, vous faites ça autour de la branche, vous mettez votre mousqueton comme ça. Et après, hop. Voilà. Ça pendouille. Après vous arrivez. Bah attendez. Là, je suis en train de ranger le biwi, hein, donc vous affolez pas du bordel. Après vous arrivez, une fois que vous avez trouvé votre bonne longueur et tout, vous arrivez sur votre tête de ligne, vous faites ça, avec un élastique, hein. En l'occurrence hein, c'est des élastiques pour les gamins, pour faire les bracelets. Hein. Donc voilà, vous avez votre mousqueton qui est accroché sur la branche, l'autre mousqueton, donc lui qui est en attente, vous arrivez, une fois que vous avez trouvé votre bonne longueur, que vous avez trouvé votre spot, vous mettez votre plomb, vous arrivez, vous tirez jusqu'à votre mousqueton, vous mettez votre élastique, vous perchez et voilà. Et je vous assure que ça pète à tous les coups, hein. Moi à chaque fois ça pète. Hein. Donc le poisson, il va tirer sur la ligne, le mousqueton va attendre, et pan, ça pète. Voilà. Après, évidemment quoi, si vous voyez que ça cassait pas, vous mettez une pichenette et ça casse direct. Hein. Moi j'ai jamais eu de problème personnellement. Donc voilà quoi, c'est super simple parce que j'en vois plein qui pêchent au cassant avec du fil de pêche. Il y en a, ils se font avoir, le poisson est tendu en face, ils arrivent même pas à casser le cassant, enfin moi je trouve ça n'importe quoi. Et puis en plus, il laisse les fils de pêche dans les arbres en face, quand ça casse quoi, enfin si ça reste, si le fil de pêche reste. Et puis voilà quoi. Ah oui, une petite parenthèse, en allant sonder comme ça juste à la canne pour voir le dur et le mou, j'ai trouvé une ligne. Donc je sais pas facilement la personne va regarder, hein, mais voilà, franchement les gars quoi, mettre des hameçons pareils en Loire quoi, oh abusez pas quoi les gars quoi, oh c'est pas de la boucherie quoi. Oh, regardez la différence de taille d'hameçon quoi. Sans déconner quoi. Oh on est pas débouché quoi. Oh faut y arrêter ça. Ah puis je vous jure il pique hein, ça y voit, mais c'est même pas du 1 quoi, c'est du 1-0, j'en sais rien, mais j'ai jamais vu un hameçon aussi gros pour pêcher la carpe quoi. Donc voilà quoi, comme je dis souvent, la pêche de la carpe c'est du respect. Donc c'est toute une question de respect, c'est on respecte le poste, la nature, tout ça, on laisse pas traîner nos merdes et tout. Parce qu'après on se fait traiter de gros dégueulasse. Après c'est on respecte les autres pêcheurs. Parce que ben voilà quoi, on est tous des pêcheurs, on va pas les pêcher les uns sur les autres, on va pas s'insulter, tout ça, on est tous des pêcheurs. Que ce soit aussi bien carnassier, pêcheur de truite, carpiste et tout, on est tous des pêcheurs. Et ensuite on respecte le poisson. Le principal c'est on respecte le poisson quoi. Donc voilà quoi. Des âmes sont pareilles là, s'il vous plaît quoi. Voilà quoi, faut éviter quoi. Pour le bien du poisson quoi, faut éviter quoi. Surtout que je vois son petit truc là. Donc il a mis de la tresse là pour faire son... au lieu de mettre un élastique, hein, moi je fais pareil. Hein. Mais quand je vois le peu de tresse qu'il y a, j'imagine même pas la taille de l'appât quoi. Ça doit être un appât tout petit comparé à la taille de l'hameçon. Regardez ça quoi, sans déconner quoi. Il devait avoir une tiger et un grain de maïs au bout quoi. Donc bon voilà. Après en corde ligne, ça doit être au moins du 45 centièmes. Donc ça me choque pas trop quoi, mais bon. Voilà quoi. Voilà. Donc ça me fait bien rire quoi, ça me fait bien rire. Enfin bon. Voilà quoi. Donc si vous avez des questions hein, comme d'habitude, hein, hop, vous sur les montages, tout ça, vous demandez, y a pas de problème. Et puis voilà quoi, vous posez des questions sur la page Facebook Pirate Carp Fishing. Et puis voilà. Voilà. Bon bah allez, on se retrouve s'il y a du poisson les amis. Allez,
Loire. Magnifique. Poisson abîmé par la fraie, mais magnifique. Des belles écailles et tout, rien à dire. Ouais, vraiment super joli. Pas très grosse, hein, mais splendide. Splendide. On va regarder de l'autre côté. Hop là. On voit bien les traces rouges. Superbe, non? Le kiff. Le kiff.